Réalisez une sauvegarde de votre site et la garantie d'une longue vie de votre CMS. La sauvegarde peut se faire de plusieurs façons. La première consiste à sauvegarder l'ensemble des fichiers PHP, HTML, CSS et vos images via votre logiciel de gestion FTP, comme par exemple Fallzilla, puis de réaliser un export de votre base de données en passant par MySQL. La seconde est de vous servir de l'outil export de WordPress afin d'exporter les fichiers et les images de votre base de données. La troisième consiste à vous servir d'une extension comme Duplicator ou All-in-One afin de générer une archive de sauvegarde qui sera par défaut sauvegardée sur votre hébergeur. Puis, vous pourrez ainsi la télécharger sur votre ordinateur. Si vous avez un hébergement de qualité, sachez que votre hébergeur réalise généralement des sauvegardes journalières. Pour réaliser une sauvegarde avec All-in-One, vous devez d'abord l'installer, puis l'activer. Et enfin, vous devez cliquer sur le bouton Sauvegarder. Vous devez ensuite patientez le temps de la création de l'archive. Vous pouvez ainsi la télécharger sur votre ordinateur. Si vous voulez restaurer l'archive sur votre site, cliquez sur l'option Restaurer, sélectionnez l'archive depuis votre ordinateur et enfin cliquez sur Restaurer. Sachez qu'il existe une version Premium de All-in-One qui vous permettra de réaliser des sauvegardes qui sont supérieures à 250 MO.